Je m'appelle Guylaine Archambault, je suis directrice générale du musée Armand Frappier. Le premier élément qui a mené vers le développement du plan de développement culturel, ça a été le diagnostic, un grand chantier où on a fait des constats sur le développement culturel à Laval. Le rôle des chantiers dans la démarche, ça a été vraiment de réunir des acteurs culturels autour de cinq grands enjeux, cinq grandes questions. Alors, le rayonnement culturel lavallois, la citoyenneté culturelle, le développement culturel professionnel, le développement durable. Je m'appelle Sylvie Lessard, je suis la directrice générale et artistique de la rencontre Théâtre Ado. Le plan de développement culturel a été animé par cinq chantiers suite à un grand sommet de la culture qui a eu lieu il y a 2 ans. Et de ces chantiers-là, j'en animais un qui était le chantier sur le développement durable. Donc avec une équipe de 10 personnes, on s'est assis, on a discuté pendant pratiquement 1 an sur les grands rêves et les grandes actions qu'on voulait amener sur le nouveau plan de développement culturel. Je suis Mario Borges, j'assume la co-direction artistique et générale du Théâtre Bluff. Mon rôle en tant que chef de chantier était de bien accompagner les gens et de les éclairer autour de cette question du développement international. Je pense qu'un des éléments les plus intéressants lors de ces rencontres-là, c'était de constater la complémentarité qu'il existe entre les différents intervenants sur le territoire. Alors, je suis Marie-Claude Dion. Je travaille pour le Collège Montmorency. J'enseigne au département de technique de muséologie. Ce qui m'a plu le plus dans les chantiers, je pense, ça a été les rencontres. Ça a été les gens. Ça a été la passion. Ça a été les différences, et que malgré toutes ces différences-là, tout le monde était à l'écoute, tout le monde était généreux et tout le monde était soucieux de la réalité de l'autre. Le ciel semblait s'éclaircir, il semblait y avoir comme une lueur pour tous ces gens-là qui avaient porté la culture à bout de bras. Le plan de développement culturel va vraiment favoriser le développement de la région de Laval. Je pense que citoyens, décideurs, acteurs culturels, intervenants de tout secteur d'activité, on va vraiment s'approprier notre culture, le patrimoine culturel lavallois, l'histoire de notre territoire et également enjoliver nos vies avec l'art, la littérature, nous amener à réfléchir aussi sur notre condition humaine de citoyens, d'apprenants, de travailleurs.